Et oui mon pote, tu ne rêves pas, voilà, tu viens de voir sur le titre et la miniature Quad Nucléaire. Tu te trouves bien aujourd'hui sur une chaîne que tu ne pouvais pas sous-estimer. L'Obscur Clan aujourd'hui te propose, grâce à Gesh, la première Quad Nucléaire. La première Quad Nucléaire, oui vous m'avez bien entendu les amis, la première Quad Nucléaire. On vous envoie le son et le gameplay tout de suite. Shit to me, bits and pieces of shit and it's sick to breeze. What's left of the rappers who are pissed to me? Never been a paraplegic amputee defeated, so I guess all that's left is victory. Damn right. Bring heat in the 6 degrees. Dare any other nigga try and bitch at me? I walked in, white shirt, black jeans, no heart, and I left that bitch with a crimson tee. This is your worst fear. Let me make my words clear. The walk feels so good, you get blown away. So sweet dreams, your heart extend that beautiful death. Voilà, maintenant tu sais que tu t'attends à du lourd. Aujourd'hui je vais te parler un peu du gameplay, tu vois, on va se mettre bien. Donc voilà, salut gamer, c'est Graphique. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan, les amis. Gros gameplay, énorme gameplay, tu vois, s'il y avait plus gros que énorme, non c'est même pas possible, tu vois, un truc énorme, mais genre la tour Eiffel x 18, tout ce que tu veux, tu mets Big Ben 18 fois, vraiment, hein, voilà, on part complètement steak dès le début, mais voilà, imagine-toi un peu la performance de malade qui vient d'être réalisée par Gesh. On se trouve sur la map Infection, sur du Black Ops 3 bien entendu, en domination hardcore à la Razorback. Gesh aujourd'hui vous a proposé un très gros gameplay, donc c'est à dire voilà, une quad nucléaire, c'est la première, on a l'équivalent par les Américains, mais voilà, c'est franchement, on la tient enfin, nous voilà sur l'Obscur, on est super fiers de vous la présenter en premier. Franchement j'espère que vous saurez l'apprécier, parce que vous réalisez un gameplay comme ça les amis, franchement je trouve ça super impressionnant. Donc voilà, cette vidéo bien entendu va être envoyée à Code QG et moi je vais vous parler un peu du gameplay, un peu de ce que j'en pense et bah de ce que je peux dire par rapport à ça, par rapport à moi, mon niveau. Bon, voilà, on va parler du niveau que je peux avoir, là tout de suite ça va être un petit peu moins drôle. Donc de mon niveau par rapport à ce que Gesh vous a fourni aujourd'hui, voilà, franchement, moi ce que je veux c'est que dans les commentaires il y ait un maximum de hashtag Gesh et que vous alliez bombarder sa chaîne, parce qu'aujourd'hui c'est... je sais pas si vous vous rendez compte du gameplay qu'il a mis. Mais franchement, vous êtes juste obligé de le féliciter, même de mettre un petit GG ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui la performance est telle que voilà, c'est impossible de ne pas voilà réagir à ça quoi. Même derrière votre écran, vous dites what, quoi de nucléaire, qu'est-ce qui se passe là, ils ont, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Obscur, tu vois l'Obscur, tu te dis ouais voilà, ils ont 3000 abonnés, c'est nul, voilà. Oh, mais, et là voilà, là tu vois, là tu peux plus dire ça maintenant. Maintenant tu vas rester, tu vas t'accrocher au truc, parce que franchement avoir un truc comme ça c'est juste impressionnant. Enfin, moi voilà, tu vois, moi je sors des petites moabs, on va pas se le cacher, vu le niveau qu'il a, je devrais me taire à la limite, parce que là franchement, il déboîte tout, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Bon alors après, voilà, on est d'accord, c'est du spawn kill, on peut pas parler de spawn trap, normalement je ne me trompe pas, spawn trap c'est à partir du moment où les ennemis ne peuvent pas bouger de leur spawn, c'est-à-dire que dès qu'ils apparaissent, ils sont morts. Là voilà, ils ont le temps de bouger, ils ont le temps. Voilà, franchement c'est du spawn kill. Mais voilà, quand vous avez un gameplay comme ça, franchement les amis, je pense que vous êtes juste obligés de faire ça quoi, parce que au bout d'un moment tu peux pas être à courir à l'opposé de la map, au bout d'un moment tu vas manquer de temps, et c'est ce qui s'est passé. Il a raté la cinquième nucléaire à cause du temps, il est mort en il n'a pas pu finir car ça s'est terminé la partie lorsqu'il était en impitoyable. C'est impressionnant les amis, franchement imaginez-vous, voilà, déjà on a une très belle performance, donc 4 mois, je suis encore sur MW3, moi je suis perdu, il nous a déjà réalisé 4 nucléaires, mais alors imaginez s'il avait mis la cinquième, ce que ça aurait été. Franchement, je trouve ça vraiment mais impressionnant. Parce que vous pouvez voir qu'il les enchaîne, hein, franchement. Bon, après, au bout d'un moment, tu dois connaître les spawns un peu par cœur, comme voilà, quand on a l'habitude sur un Call of. Mais là, voilà, franchement, c'est Boucherie Bernard. Le mec, c'est pire qu'un grossiste. Quand tu lui demandes de la viande, il te fait de la viande humaine. Mais le mec, mais alors, genre comme ça, voilà, il est déjà embrouillé, il te fait tout. Mais franchement, c'est... J'ai pas envie d'utiliser de termes grossiers, mais c'est un film de boule. Hein. Franchement, on va pas se le cacher, il y a tout. Il y a l'acteur. Tu vois, il y a même pas besoin de plusieurs acteurs. T'as l'acteur et t'as les martyrs, les souffre-douleurs. C'est celui qui est en train de se faire détruire, mais genre violent. Franchement, les ennemis, ils ont même pas le temps de comprendre, quoi. Ils essaient de tirer. Voilà, mais non, ça passe pas, voilà,
franchement très très impressionnant. Également, voilà, on va parler un autre truc rapide. N'hésitez pas à féliciter le Minia Maker, parce que le Minia Maker, voilà, il a dû taffer longtemps. Je sais pas qui c'est qui vous la fera, mais en tout cas, n'hésitez pas vous à le remercier, parce que voilà, il vous fait une très belle miniature pour un truc comme ça. En plus, je pense qu'elle sera très très jolie. Le temps qu'ils doivent y passer, franchement, à faire ces miniatures, ça doit être assez impressionnant. Donc, n'hésitez pas à le remercier. Hein, voilà, c'est un petit aparté. Et si jamais mon commentaire vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne. Mais voilà, franchement. Je sais même pas quoi dire, je répète comme un porc, mais franchement, quand je vois un peu à quelle facilité, j'ai envie de dire, il les enchaîne, je pense qu'il était chaud, tu vois, c'est pas genre la première partie que tu fais de la journée, voilà, il s'est un peu entraîné, et là, au bout d'un moment, mais il les a démontés, c'est quand même impressionnant. Quad nucléaire, on détient le record, franchement, je pense que, moi en tout cas, je suis très fier d'être dans cette team aujourd'hui, parce que, voilà, elle commence vraiment, aujourd'hui, je pense qu'elle commence à vraiment se faire connaître comme il faut, les gens commencent à en parler, et franchement moi j'en parle aussi à mes amis, voilà, la Obscur Clan, ils connaissent pas forcément, et quand ils vont voir, ils me disent bah c'est de la qualité, voilà, franchement je ne vends pas du tout la Obscur parce que voilà c'est un gameplay de la Obscur, mais parce que vraiment je le pense quand je vois, voilà, Gesh qui nous a sorti un très très gros gameplay comme ça, je trouve ça quand même assez impressionnant. Et aussi il fallait que je vous en parle. Les nucléaires, en combien elles sont faites? Vous avez la première en 78 secondes. C'est approximatif, hein, on essaie de calculer au mieux. 78 secondes, la première nucléaire. La deuxième est réalisée en 72 secondes. La troisième en 88 secondes. Et la quatrième en 79 secondes. Et il a fail la Penta, donc franchement, voilà. Les performances, genre, le mec, il est quad record, voire même 5 records dans la même partie. C'est impressionnant. Franchement, j'ai rien à dire, c'est... En fait, je vais le féliciter moi-même en vidéo, hein. Franchement, gros GG à toi, parce que des gameplays comme ça, voilà, si je pouvais en sortir moi aussi, je serais super content. C'est impressionnant, franchement, je suis super content de pouvoir vous proposer ce gameplay, j'ai une chance énorme de pouvoir vous le commenter, parce que franchement, voilà, c'est pas rien, c'est pas tous les jours qu'on a à commenter une quad nucléaire. En plus, voilà, franchement, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous la présenter comme ça. J'espère que je répète pas trop, que ça vous aura pas trop saoulé ce que je vous ai raconté, parce que bon, c'est parler pour rien dire, d'une certaine manière. J'essaie de vous présenter, de vous expliquer au mieux le gameplay. J'espère en tout cas que tout ça vous aura plu. Je compte sur vous pour féliciter toutes les personnes qui ont travaillé sur cette vidéo. Pensez bien à ceux qui ont fait le montage, à ceux qui ont fait la miniature. Bon, le commentary, voilà, vous savez qui c'est, vous n'hésitez pas à me donner votre avis sur mon commentary. Franchement, n'hésitez vraiment pas à féliciter le joueur, parce qu'en partie c'est grâce à lui qu'il y a cette vidéo, surtout parce que sans lui, voilà, on n'aurait pas le record. Et voilà, franchement, moi je dis ciao tout le monde les amis, portez-vous bien. That I became what I used to talk about. But it's too late, cause now